Il y a aussi eu le kit, parce que Noah est encore dans sa bassinette. Il n'est pas prêt du tout pour faire un lit de transition ni d'avoir un lit simple. Mais j'aimais beaucoup cette jetée-là. Du Simons, il y a les rideaux, il y a, ben, j'ai eu le coussin aussi. Il y a la douillette et tout. Ben, le cadeau de Noël à Noah. Ah, c'est ça, son kit de train complet, là. Là, si on le voit, là, c'est comme énorme. Fait que là, on n'a pas de place. Cadeau de Noël à Noah, il est là. Sa cuisinette. C'est pour ça que je mets une couette par-dessus, mais je veux pas qu'il la voie. J'ai le reste de ses fruits et légumes comme ça qui sont ici. Puis il y en a reçu en bois de la compagnie Mélissa et Doug. Aussi, des fruits et légumes à couper qui sont vraiment cool. De mon côté, ma belle-mère, elle m'a concocté des laits de bain, des bombes pour le bain, plein de choses comme ça. Ma belle-sœur, elle, m'a acheté des shampoings, des savons, plein de trucs comme ça, artisanal. On a eu beaucoup de jeux de société aussi. J'ai reçu ça, le dernier d'Harry Potter. J'espère qu'il est plus le fun que le clou. Parce qu'honnêtement, il était vraiment poche, le clou. Mon chum a reçu ça ici, Kahuna, c'est un jeu pour deux. Et j'ai reçu, là on le voit pas, mais c'est le style jeu, mais version des régions. Moi, je voulais juste la région de Drummond, parce que mon chum, c'est un gars de Drummond, puis je voulais comme lui faire une joke. Finalement, ma soeur a décidé d'acheter toutes les régions, fait que peu importe d'où vous venez dans le Québec, on risque d'avoir une de vos expressions là dans ce jeu. Ah. Bon matin! Ah, on vient de se lever. Le chat est énervé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que toi, toi? Okay. Fait que bon matin, les mômes. Aujourd'hui, Noah se réveille dans le caca. Toujours agréable. Oh, mon bouton est tellement là, puis il fait mal. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée de congé. Noah commence pas la garderie demain, par exemple. Il recommence que mardi. Fait que demain, mon chum est à la maison. Moi, demain, je travaille. Fait qu'aujourd'hui, là, honnêtement, je vais prendre ça très relax. Ça, c'est l'ordi à maman. L'ordi à maman, Noah. Touche pas. Bref, mon petit coucou, il a faim. Hein? Fait que je pense qu'on va faire le déjeuner tout de suite. D'habitude, il aime ça jouer tout de suite en se levant, pas manger tout de suite. Mais là, ce matin, ça a l'air que non. Bon, ben, on va faire ça. Mais bon. Ouais. Oui, c'est de l'eau gelée. Oui, c'est de l'eau gelée. C'est ça la neige. Ouais. Oui. Bon matin à tous. J'espère que ça va bien. On est samedi. On est relax. Noah se réveille vers 7 h. Puis, ben, là, il est en train de manger. Moi, je suis en train de finir mon café. Ben, en fait, je viens de le finir plutôt. Puis, on écoute Nemo. On mange devant la télé. Traitez-moi d'indigne, mais moi, j'ai mangé devant la télé tous les matins de toute mon enfance. Fait qu'honnêtement, ça me permet de décrocher, de lire mon journal, boire mon café. Fait que ce week-end, je sais pas trop qu'est-ce qui va advenir de nous parce que on annonce un astic de tempête de verglas. Genre, semble-t-il comparable à ce qu'on a eu en 98. Si vous n'étiez pas au monde en 98, bref, ça se peut que vous compreniez pas. Fait que je suis direct dans la zone la plus à risque dans le sud du Québec. Fait que je pense que je vais préparer un peu de stock. C'est sûr, nous, si on n'est pas dans marde, là, si jamais on n'a plus d'électricité pendant X jours pis tout, nous, on s'en va au chalet à Sutton. Ça, c'est pas un problème parce qu'on a un poêle là-bas, on a le barbecue dehors. Fait que on peut manger pis tout, c'est vraiment pas un problème. C'est juste que, c'est ça, il va falloir que peut-être que je fasse des bagages, je sais pas. Je suis comme un entre-deux semi-apocalyptique, mais bon, on verra d'ici là. Bon, tout de suite, je m'excuse de l'éclairage. C'est vraiment de la merde ici, l'éclairage quand il fait pas beau. Fait que je reviens, on est allé magasiner à la friperie. Et qu'est-ce qu'il y a? Noël est fâché. Parce qu'hier, j'ai été de marin indigne, puis j'étais allée chercher du McDo pour souper. Puis il y avait un jouet. Puis là, faut comme tu mettes le Pokémon dedans, puis faut que tu pèses comme ça. Pouf! Noah comprend comment le mettre dedans, mais il comprend pas comment peser sur le piton. Ça m'a genre coûté 50 piastres, friperie. Premièrement, j'ai acheté une machine à pop-corn, comme ça. Parce que celle que mon chum avait, ben, elle a pété. Elle s'est comme mis à sentir le brûlé du jour au lendemain. Puis elle a genre au moins 20 ans. Un beau petit cadre de chevreuil, mais dans ma chambre. Oui, tu l'as eu, t'es capable? Tu m'as dit comment t'es bon? J'ai trouvé ça. C'est comme des petites autos. Sinon, celui-là ici que je trouve vraiment beau. J'aime tellement ça, des petits kits de cartes comme ça.
Je n'ai pas assez de cartes, tu sais. Pour Noah, un petit ordinateur VTech comme ça. Noah adore Flash McQueen, fait que j'avais le stock de Noël étant spécial, fait que j'ai trouvé une petite boule de Noël. J'ai acheté à Noah des pailles de bas qui avaient neuf, justement, parce qu'on les perd tout le temps dans ses choses. Fait que j'en ai acheté une chier comme ça. Sinon, le linge, je me suis trouvé comme, tu sais, des petits chandails tout allés, là, ben simple. Ça, c'est une veste à Noah que j'ai trouvée. Je la trouvais vraiment trop cute, mais tu sais, c'est une small 6 ans. Fait que c'est pour dans longtemps, mais je la trouvais tellement belle, puis c'est Noah grandit tellement vite que je me suis dit, pour le prix que c'était, je l'ai. Pas ça, Lucas. Elle est partie où? Elle est pas là? Elle est là? Mais tu trouves trop, là, en plus. Mais c'est ça que ça me fait rire. Mais oui! Fait que bon matin post-apocalyptique, il s'est rien passé dans ma ville. Genre, à Grimby, ça a l'air, c'est dégueulasse. Puis ici, ben, c'est de l'eau. Fait que ça, c'est ma magnifique épicerie. Pas grand. J'achète pas mal de fruits et de légumes. D'habitude, j'achète pas de viande parce que moi, j'ai genre un plan de viande avec Garde-Manger du Québec. Mais genre, ça, c'est fucking taste. Fait qu'une fois de temps en temps, je le fais. Sinon, moi, ce que j'aime bien commander, des petites compotes pour Noah, des fromages, des trucs pour les lunchs. Ça, c'est genre, c'est ma belle-mère qui m'a peut-être pensé à ça. J'y pense jamais, là, mais, une espèce de petite sauce à pâte comme ça, là, ça dépend tellement en semaine. Tu mets une viande, tu mets la sauce, tu mets les pâtes, that's it, that's all, ça y kick, fruits. Mon chum déteste le liniment. Fait que moi, j'y achète des lingettes parce que je suis fine. Je ne mentirais pas si je disais que, j'étais un peu frais après mon chum pour ça, parce que utiliser le liniment, c'est vraiment niaiseux, là, ça, c'est même mieux pour la peau de Noah, mais bon, mon chum, des fois, bon, disons qu'il se plie pas mal à mes exigences, fait que je le laisse un peu faire, là. Dans le fond, le liniment, je sais pas si vous savez c'est quoi, je peux vous présenter, c'est la Noah. Fait que c'est la Noah, c'est celui-là, de les produits de maillage, je l'avais acheté au petit cadeau. Lait corporel nettoyant et hydratant. Fait qu'en fait, moi, quand Noah change sa couche, je mets ça sur des barbouillettes, des barbouillettes du Dollarama. Puis après ça, je fous ça dans son wet bag de couche que j'ouvrirai pas parce que l'odeur qui va sortir de là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est comme une espèce de... Je sais pas si on va voir un peu. C'est comme une espèce de crème, si je peux dire, là. Ça sent super bon. Puis, c'est sans rinçage. Fait que c'est une solution vraiment géniale. C'est pas le premier que j'achète. Le premier que j'ai acheté, c'était celui de Lolo et moi, de la compagnie, tu sais, avec l'huile d'olive La Belle Excuse, qui est quand même très dispendieux. Celui-là m'a coûté 21$ pour un gros 500 ml. Je l'aime bien, mais je trouve qu'il enlève pas autant les résidus de coca que l'autre, mais là j'ai la compagnie Douce Mousse que j'adore les produits, j'en ai déjà parlé, et dans l'épicerie en vrac où est-ce que je demeure dans mon village, il y en a une, et j'ai remarqué que tu pouvais remplir ton liniment, tu ramenais ta bouteille puis il y avait un gros vrac de liniment Douce Mousse. Fait que j'ai hâte d'aller essayer le Douce Mousse, mais je vais finir celui-là avant là. Que t'es rendu avec une conjonctivite, mon coco. Oui, bon, génial. Oui! Ce matin, Noah a eu la visite des ambulanciers. En fait, Noah s'est réveillé en grosse crise. Il toussait tellement, puis il était tellement jammé dans son mucus, dont moi aussi d'ailleurs, qu'on a préféré pas prendre de chance et on a fait venir les paramédics. Le petit sature bien, finalement, il n'y a absolument rien. Fait que c'est une fausse alarme. On n'a pas voulu prendre de chance. Le voir faire une crise d'alarme puis respirer, puis on dirait qu'il cherchait son air puis quasiment qu'il convulsait, ben on n'a pas pris de chance, mais finalement c'était juste comme une grosse crise de bacon mélangée dans du mucus. Fait que là, je sais pas si je vais prendre mon après-midi, honnêtement, je suis exténuée. Je vais s'imaginer le stress que ça a été. Moi, j'ai un lancement de saison en plus, là, dans environ une heure. C'était vraiment très désagréable comme matin. Mon corps sur beurre de peine. Ouais, il devrait mieux que rien dans l'estomac, parce que sérieux, hein. Je m'en serais passé en tabarnak de ce matin, là. Vraiment, là. Je suis une vraie mom, maintenant. J'ai reçu mes étiquettes colle à moi. En fait, c'est que Noah, il y a un petit ami qui il a les mêmes bottes que lui à garderie, fait que j'ai commandé ça sur le site de colle à moi. Les 3M, ça veut dire que ça tient. Ils sont comme dans l'espèce de...
sur brillance, si je peux dire. Puis ils sont comme, ils fit dans toutes les sortes de tissus et tout. Tu coches l'étiquette, puis ils sont résistants à l'eau, au lavage et tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Ça coûtait 22$, mais tu sais, j'identifie pas nécessairement tout à Noah. Surtout sachant que, tu sais, Noah, son linge, c'est beaucoup d'usagé, puis je donne au suivant. Donc, je préfère mieux ne pas trop identifier, mettons, avec un feutre ou un crayon, ces choses. Le collant, à la limite, tu peux l'enlever, là, fait que c'est ça. J'en ai sexy, ici! Ah! Achevez-moi. Gros mal de gorge depuis 2 jours. Noah consiste antibiotique, mais encore plein de mucus, et mon chum vient de m'avouer que ça fait 2 fucking semaines qu'il a mal à la gorge. Fait que c'est sûrement lui qui m'a chipé le virus. Fait que, vous voyez, les cernes... Oh, Noah vient de dénuer. Attends un peu, m'envoie essuyer encore de la morve! Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça? Oui. Bon, la morve, histoire de morve terminée. Ouais, là, Joe vient de partir travailler. Il a pris rendez-vous chez son médecin dans 1 semaine! Puis oui, il pouvait aller au sans rendez-vous genre demain. Les hommes sérieux, là... Ah non, je suis exténuée. On a passé la nuit de 4h à minuit aux urgences avant-hier. Les paramédics sont venus le matin de cette avant-hier parce que Noah a comme fait un... On pensait qu'il était en détresse respiratoire à cause du mucus. Finalement, il était comme en grosse crise de panique. Il a... Parce qu'il n'arrivait pas à... Il avait trop mal aux oreilles. Mais moi, Noah, il n'a jamais fait d'otite de sa vie. Puis, on savait pas ce qu'il y avait. Puis... Finalement, c'était bel et bien 2 otites, genre 1 otite dans chaque oreille. C'est un diagnostic de marde, mais bon, c'est pour avoir tendu aux urgences. Mais au moins, on est fixé, il se sent beaucoup mieux. Il y a un cas d'éclosion de gastro à la garderie. Noir, il commence une conjonctivite dans son deuxième œil. Fait que... Moi, mes oreilles ont bouché. J'avais un lancement de saison au sommet du Mont-Brome de Bromont Montagne d'expérience, autrement dit à Ski Bromont, cette semaine, puis j'ai littéralement bouché des oreilles à cause que j'étais tombée malade la veille. Je suis le mieux, mais j'étais encore, tu sais, le mucus est là, puis hier mes oreilles ont débouché, puis j'avais tellement mal que je pense que moi aussi je suis comme en infection dans mes oreilles. Je passe à les consulter, ça fait 2 jours que je travaille pas. Ça m'écœure parce que moi je suis quand même j'ai besoin de travailler pour sortir de la maison un peu la semaine, parce que les fins de semaine sans mon chum, je les trouve un peu longues ces temps-ci. Et tu danses? Tu danses? En pas de neige. Romain. Ouais, tu as tellement respecté ton horaire que tu vas fermer ta... Fait que des nouvelles de la famille, sinusité, grippée. Moi, je vais mieux aujourd'hui. J'ai pas été consultée. Mon chum a encore mal à la gorge. Lui, il va mieux. Salut! Fait que j'ai parti un croque-pot ici comme ça, avec des oignons pis tout ça. J'ai fait l'épicerie en ligne avec le IGA. Mon chum doit aller la chercher ce soir. Maman segment à Noah. Vas-y! Vas-y! Tu viens ici! Tu viens ici! Tu viens ici! Tu retournes pis là, tu bouges plus! Ah ouais! Toi! Mais oui! Mais je suis plein de chocolat! Oui, j'ai un petit coquin plein de chocolat! Genre, à cette journée de cul, sérieux, je m'en serais passée. Tu sais, une journée où que ça va pas bien à job, tu sais, ça allait bien, là, c'est juste c'est moi, mon anxiété était comme dans le tapis. Je mange des cochonneries, ça fait une semaine, je suis en SPM à côté, je suis fatiguée, bref. Puis le pire, c'est que j'ai juste travaillé 4 jours cette semaine. J'ai quand même décidé de finir 1 heure plus tôt aujourd'hui pour aller magasiner. Salut, Winners! J'ai acheté à Noah des petits gobelets comme ça. Je les aime parce qu'eux ont comme une espèce d'embout intégré, fait que j'ai pas de cossin à monter, démonter. J'ai trouvé, toujours dans mon aide à moi-même, de mon cheminement personnel,
un journal, je sais pas si on voit, c'est marqué en fait Positive Mind, Positive Life, A Mindfulness Journal. Fait que, petit journal, j'adore ça, fait que moi, let's go. J'ai une nouvelle machine à café, pis j'ai pas des tasses assez petites. Je suis contente, je les ai payées fucking 3$. Pis c'est des petites tasses à expresso avec des étoiles, j'ai trouvé super joli. C'est un kit de lingette désinfectante qui est avec l'huile essentielle, pis tu mets ça dans le pot, pis c'est comme des sucs d'isole, là. Pis moi, c'est son temps, je voulais m'en faire, mais là, il y a genre plein de lingettes, plein de bouts de tissu dedans, pis il était 10$. J'ai rentré juste que comme pas top. J'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, mais on verra bien. Pis je suis pas mal contente, sérieux, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Sinon, je vais m'en servir pour autre chose. Des bouts de tissu, c'est toujours utile pour les guenilles, etc. Fait que c'est pas mal ça que j'ai trouvé. Ça m'a coûté 36$, parce que je trouve pas ça si pire quand même. Bon matin. Là. Quoi? Oh, on voit pas grand chose à cause de la porte patio. Ouais, je suis un bordel. Faire changement. Bon matin. Là, en ce moment, je suis en train de essayer de, avec le YouTube Creator, essayer d'ajuster le son de ma vidéo bilan. J'ai un nouveau téléphone, comme vous allez voir dans le vlog d'octobre que je suis en train de mettre en ligne aujourd'hui. Puis j'ai, avec mon ancien téléphone, quand je filmais, j'avais tendance à booster le son dans le montage parce que c'était pas assez fort. Mais avec ce téléphone-là, le son est tellement bon que là, on dirait, je l'ai boosté puis c'est comme too much. Puis je suis pas capable. Je sais qu'on pouvait le modifier avant, mais là, je suis capable. Fait que, voilà. là, sinon, moi, j'ai commandé des choses sur Wish, Home Wish, la fin de même. Pis là, je suis comme un peu déçue parce que j'ai reçu ça. Oh mon Dieu, l'image est dégueulasse. Bonjour. Fait que c'est ça, j'avais reçu ça. C'est une pill box, là. Dans le fond, à l'intérieur, je sais pas si je suis capable de l'ouvrir. Ah oui, à l'intérieur, tu peux mettre tes petites pilules. Pas que je suis une madame pilule, c'est parce que je prends beaucoup de vitamines ces temps-ci pour essayer de booster mon système. Puis, je l'avais commandé vert menthe. Ça a-tu l'air vert menthe? Fait que là, je viens de demander un remboursement. OK. On a mangé des gaufres, il y avait des fruits, là, je suis quand même pas indigne. J'ai donné son nouveau gobelet avec Mickey. T'es timide avec Mickey, t'es dit? Oui! J'ai une brassée de couches qui traîne encore dans la laveuse, shame on me, fait que je vais aller partir ça, mais j'attends que ce soit un petit peu plus tard parce qu'il est quand même juste 7h30, là. Je sais pas, je vais m'occuper aujourd'hui parce que moi, je trouve que ça traîne, puis j'aime vraiment pas ça, puis je suis écœurée. Ha ha ha!